3, 2, 1, go! C'est parti. Alors, on voit que les coups de hache sont très précis. Ça va exactement là où le trait de craie a été donné. Très important d'aller dans un premier temps avec une bonne largeur. On est déjà rendu à l'ando pour Matt Coger. Ça va très, très bien. Pour Jonathan Blais également. Alors, les coups de hache portent très, très bien. C'est une épreuve qui est très, très difficile. Une épreuve que vous retrouverez demain lors de la course en relais. Terminé pour Matt Coger. Un excellent temps autour de 28 secondes. Ça va bien également pour Jonathan Blais. Ça va très, très bien également de l'autre côté pour Vince Massil. C'est presque terminé. On encourage nos compétiteurs. On les encourage à terminer leur bûche. C'est une épreuve qui est très, très difficile. Terminé, Jonathan Blais. Presque terminé pour Vince Massil. On encourage. Compétiteurs qui ont travaillé toute la journée. C'est presque terminé. Alors, on l'encourage. Une épreuve très difficile de hache verticale. On retrouvera dans quelques instants. La hache horizontale également, qui est une épreuve également très difficile. On encourage Vince Massil à terminer sa bûche. On encourage. Encore une coupe de coups, c'est presque terminé. On encourage Vince Massil. Let's go, la foule. Let's go. On encourage. Alors, son train. 3, 2, 1, go. C'est parti. Come on, get into it. Let's go. Pour la deuxième vague de l'épreuve de hache. Verticale. Ça va très bien pour les compétiteurs. On est rendu, Jean-Pierre Mercier, Jason Lance, on est rendu sur le deuxième côté. Ça va très bien pour tous les compétiteurs. C'est très serré, terminé Jason Lance, excellente performance. On encourage Jean-Pierre Mercier, terminé également. Alors, on encourage maintenant au stade numéro 1, Matthew Waterfield. Marcel Poirier également, stade numéro 4. Presque terminé pour Matthew Waterfield. Les coups doivent être très, très précis. Bien porté. C'est presque terminé pour Matthew Waterfield. On encourage également Marcel Poirier. Terminé pour Matthew Waterfield. 3, 2, 1, go! C'est parti! C'est parti pour les quatre compétiteurs qui nous proviennent de l'Ontario. Les coups portent énormément. Alors, ça va très, très bien. On est déjà rendu du deuxième côté pour Cécile Starr. Alors, on encourage nos compétiteurs. C'est presque terminé pour Cécile Starr. Et on a un excellent temps pour Cécile Starr. Ça va bien également pour les trois autres compétiteurs. Presque terminé pour Nick Hall, ça va très bien. On encourage Justin Perron. Christopher Haskar, terminé pour Nick Hall, un excellent temps. On encourage nos deux autres compétiteurs à terminer leur bûche. Alors je vous rappelle qu'ils ont eu une grosse journée de travail, alors ça va très très bien. Très très bien pour Christopher Haskar. On encourage également Justin Perron. Terminé pour Pascal. Come on, Justin! Give it up, man! Come on! Il a terminé sa bûche. Très bien. Come on, drive it! On encourage. Excellent! Chronométrage sont prêts. 3, 2, 1, go! C'est parti. C'est parti. Alors, ça va très bien. Ça va très bien, les trois compétiteurs. Les coups portent. Alors, les temps battent tournent autour de 25-30 secondes. Je vous rappelle que les compétiteurs doivent être dans les 5 meilleurs temps s'ils veulent se mériter une bourse et avoir une chance de ramasser des points pour se classer pour le challenge nord-américain qui va avoir lieu demain. Alors, ça va très bien pour les trois compétiteurs. On est rendu à l'ando. On est terminé pour Donald Lambert. Un excellent temps. Vous avez pu remarquer que Donald a été le troisième compétiteur à tourner. Il est quand même le premier à avoir terminé. Terminé également pour Paul Woodland. On encourage Mike Leach à terminer sa bûche. On l'encourage. Terminé. Alors, une bonne main d'applaudissement. Un, go. C'est parti. C'est parti pour nos quatre compétiteurs. Je rappelle qu'on aura un dernier compétiteur. En quelques instants. Après ces quatre compétiteurs.
Ça va très bien, on est déjà rendu. Mike Sullivan, Gaston Duperré, Orlando, également André Fortin, Grand Simon, dans les quatre compétiteurs. On va faire. André a frappé une bûche un peu trop dure, à un moment donné. Ça va bien. Terminé Mike Sullivan, terminé également Gaston Duperré, des excellents temps. On encourage Jean-Simon Bertrand à terminer sa bûche. Excellent. Alors, des excellents temps.